dans le souci permanent de contribuer universellement au bien-être de l'humanité par les substances biologiques naturelles, l'ONG Savoie d'Afrique Plus et SAP Labo Production, dont les spécialités sont le foie et les organes de reproduction du consultant international en phytothérapie, le sachant Tokenglele, alias Dr Gangpin, vous invite à consommer son complément alimentaire que voici. Gangpin Sirop est un complément alimentaire qui favorise la multiplication des cellules du foie et le bon fonctionnement du côlon. Il stimule par son action énergétique le désir sexuel en corrigeant les troubles érectiles, l'éjaculation précoce, augmente la libido et corrige la fatigue physique et mentale. Le siège est dans Cotonou à Zobo, non loin du 10e arrondissement. Contact plus 229 60 60 20 65 97 25 03 61 95 53 70 70. À tous et à toutes, bien le bonjour et bienvenue dans votre émission matinale, le meilleur réveil. Nous sommes bien le 22 mai 2024 et c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans votre émission matinale. Pour le compte d'aujourd'hui, nous démarrons bien sûr par la toute première rubrique, la revue des titres qui annonce déjà sur ce plateau Shamsadin Badarou pour l'exercice du jour, comme promis depuis hier. Shamsadin Badarou, bonjour. Bonjour Latifat Kowen. Alors, nous prendrons connaissance de l'actualité du jour avec vous et nous démarrons par la revue des titres. Merci à vous, Latifat Kowenou, amis internautes de Guérite TV Monde. Bonjour et on démarre tout de suite avec le quotidien, le Chasseur Info. Sécurité des enseignants, administratifs et étudiants, port obligatoire de badge et de carte à l'UAC. Le grand regard proche du général Tiani au nom du panafricanisme, Kemi Seba, le véritable os, j'allais dire, dans la gorge de Talon, s'exclame le journal. Le matin à présent, conspiration contre le Bénin dans la crise face au Niger, Kemi Seba et Nathalie Yamb remis à leur place. On poursuit avec le révélateur du jour. Commercialisation des boissons alcoolisées en sachets plastiques. Le gouvernement dit stop. Et ce matin, le quotidien, le révélateur du jour cède sa place au quotidien Libération. Phase B du projet asphaltage. Les travaux lancés à Djougou, Kandi et Parakou ce jour. Et projet Arche, bientôt la sélection de 500 artisans dans 8 commune du Bénin. Éveil Info, journée internationale de la biodiversité, préserver la diversité biologique, un défi majeur. Les nouvelles du jour pour terminer ce matin, supposée existence d'une base militaire française et la présence des légions françaises noires au Bénin, Bertin Kouaouvi répond à Kemi Seba et à Nathalie Yamb. Il les invite à venir démanteler ces bases militaires qu'ils disent se trouver au Bénin. Voilà ce qu'on peut retenir ce matin. Latifat Kouaouvi. Merci à vous Shamsadin Badarou. Dans la présentation de l'actualité de ce matin, nous démarrons par cette dernière nouvelle matinale. Le préfet de la Donga est démis de ses fonctions. C'était ça Latifat Kouaouvi. Le préfet du département de la Donga, Eliassou Biaou Aïné Souleyman, vient d'être relevé donc de ses fonctions. L'information a été rendue publique il y a quelques minutes par PCF. Les raisons de son limogeage ne sont toujours pas connues. Pipeline Bénin en Niger, ce projet n'est pas que pourvoyeur d'emplois. Pour ce changement inaugural, j'allais dire Latifat Kouaouvi, 1 million de barils de pétrole ont été exportés depuis les côtes béninoises. L'opération a été assurée par l'équipe maritime de WEPCO. Voilà, en plus des estimations de
3000 emplois. Ce projet, selon l'accord bilatéral, permettra au pays de Patrice Tannon, le Bénin, donc, de bénéficier du droit de transit. Ainsi, lors de cette première livraison à destination de la Chine, le Bénin encaissera donc 500 000 dollars américains conformément à l'accord bilatéral relatif à la construction et à l'exploitation du pipeline signé avec le Niger. Cet accord fixe le droit de transit à 0,50 dollars par baril au cours des 10 dernières années d'exploitation de l'infrastructure transfrontalière. Voilà. Vous y arrivez donc. Difficilement. Nous poursuivons cette présentation de l'actualité du matin. Judicaël Biaou a été nommé nouveau directeur de la jeunesse, des loisirs et de la vie associative. C'était ça, Latifat Kouenou. Le ministère d'Espoir a officiellement annoncé la nomination de Judicaël Biaou au poste de directeur de la jeunesse, des loisirs et de la vie associative. Il succède à Smith Eman Awandinou qui a présenté sa démission lundi dernier. Avant d'être nommé, Judicaël Biaou, faut-il le rappeler, occupait le poste de coordonnateur adjoint du programme de développement de la pratique du sport à la base et du programme de création des académies sportives. 10 individus interpellés à Godoma pour trafic et usage de chanvre indien. Le commissariat de l'arrondissement de Godoma, Latifat Kouenou, a, suite à des informations, effectué une descente inopinée et musclée le mardi 14 mai dernier au quartier Godoma Fieyonou, au domicile d'un coiffeur ayant transformé Sakou en ghetto. Au cours de cette opération, le propriétaire de la dite maison et 9 autres individus retrouvés sur les lieux en pleine consommation de chanvre indien ont été interpellés. La perquisition effectuée a permis de saisir une importante quantité de cette drogue, des plaquettes de tramadol, 4 ordinateurs portatifs et de diverses marques avec accessoires, un poste téléviseur de marque LG, 2 compteurs de recharge de la SBDGE, 4 montres, bracelets, 18 téléphones portables, dont 12 Android, 5 clés USB, des appareils de sonorisation de 3 motocyclistes d'origine douteuse. Les mises en cause répondront donc de les actes devant les juridictions compétentes. Latifat Kouenou. Nous n'allons pas très loin du Bénin. Au moins 40 morts ont été enregistrés dans une attaque dans le nord du Nigeria. Latifat Kouenou, des hommes armés à moto ont attaqué lundi soir 2 villages isolés dans le centre-nord du Nigeria et tué une quarantaine de personnes. Selon des habitants, les autorités locales l'ont confirmé de leur côté que 12 morts. Selon la police de l'État du plateau, les criminels qui ont attaqué les villages de Jura et d'Akaï fuyaient une opération lancée par des forces de sécurité dans la forêt de Bangalala, où la police dit avoir neutralisé cette bandit. Aucun groupe n'a revendiqué la responsabilité de cette attaque dans cette région du Nigeria, régulièrement marquée par des conflits fonciers, miniers et intercommunautaires. En Afrique du Sud, à présent, l'incertitude économique plane avant les élections. Ce pays se trouve à un moment critique avec les élections nationales prévues pour le mois de mai. Ce mois donc, les résultats de ces élections auront un impact significatif sur la trajectoire économique du pays, en particulier lorsqu'il s'agira d'attirer et de retenir les investissements étrangers. Certains craignent que le paysage politique possible électoral n'apporte pas la clarté et la cohérence que les investisseurs recherchent. Nombre d'entre eux attendent du prochain gouvernement une action claire et décisive pour résoudre ces problèmes de longue date. Latifat Kouenou. Dans l'actualité sportive, nous parlons du tournoi UFOAB U17. Pendant que le Bénin est éliminé, le Ghana file en demi-finale. Contre les Black Starlets, c'est bien ça, hein, dans une rencontre disputée à Accra, les Béninois se sont inclinés sur le score de 2-0. Étouffés, les poulains du coach Urbain Ronfort ont été punis sur des réalisations de Mac Kagawa à la 19e minute et Théophile
Voilà, et Théophilus Ayamga, voilà, à la 22e minute, donc, une nouvelle défaite pour la TAEM Bénin, déjà battue par la Côte d'Ivoire, 0-1 la semaine dernière. De son côté, le Ghana valide son ticket pour les demi-finales avec cette victoire. Idem pour la Côte d'Ivoire qui retrouvera le dernier carré grâce à son coup succès contre le Bénin. Une autre actualité sportive avant de terminer, le nouveau staff des Lions indomptables est suspendu. Le staff des Lions indomptables du Cameroun avec à sa tête le sélectionneur Mac Brice est suspendu avec effet immédiat. C'est la décision prise par la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, le 21 mai dernier. La mesure fait suite au procès verbal de non-conciliation rendu par la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun, relatif donc à la désignation du staff technique, administratif et médical de la sélection nationale masculine. Ça n'a pas été facile, mais vous y êtes quand même arrivé. Merci à vous, Chamsdine Badarou, pour la livraison de toutes ces actualités. On vous retrouve demain. Si Dieu le veut. Chers amis internautes, à la suite de votre émission, c'est tout juste après cette publicité. Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédiaouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion. Eh bien, dans la suite de cette émission, nous retrouvons à l'instant Patrice Ayonton dans la météo du jour. Après cette pluie matinale, aura-t-on droit au soleil? Il nous en dit plus. Fidèle Interdiguerité Vimonde, bonjour. Et oui, la Tifat Kowenou, ce matin à Porte-Nouveau, il y a de la pluie. La température ce matin à Porte-Nouveau sera de 32 degrés Celsius, avec un vent qui oscillera dans les alentours de 18 km par heure. Dans l'après-midi, il y aura toujours de la pluie à Porte-Nouveau. La température cet après-midi pour Porte-Nouveau atteindra les 31 degrés Celsius, avec un vent qui oscillera dans les alentours de 25 km par heure. En soirée, il faudra toujours vous équiper en conséquence pour affronter la pluie. La température retombera vers 28 degrés Celsius avec un vent qui devrait atteindre en moyenne les 30 km par heure. Toujours de la pluie au rendez-vous dans la ville capitale. La température cette nuit à Porte-Nouveau sera de 27 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 20 km par heure. Il faut retenir que cet après-midi à Porte-Nouveau, nous aurons un ciel très nuageux avec risque d'averse. Les températures évolueront entre 28 et 31 degrés Celsius. Excellente suite de journée à tous et à demain. Programme Jeune Public Littérature à ne pas manquer le 25 mai 2024. Il s'agit de Bibliomo. C'est un atelier de stimulation à la lecture et à l'écriture destiné aux enfants de 7 à 12 ans pour leur apprendre à partir des mots, à créer des images poétiques. Bibliomo, c'est juste une initiation à l'écriture fictionnelle. Prenez donc le rendez-vous, c'est pour le 25 mai prochain à la médiathèque à 16h00, surtout que l'entrée, elle est libre et gratuite. Faites profiter ce programme à vos enfants, c'est vraiment ludique. Et voilà tout pour la note culturelle de ce jour. La suite de votre émission tout juste après cette virgule. Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérit. Pour plus d'informations, appelez le 00 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Thank you.
aucune maladie n'est étrangère à Fawzia Sefou. Ce matin, elle nous parle de la maladie de Charcot. Tout ce qu'il faut savoir, c'est tout de suite et maintenant. La maladie de Charcot, connue sous le nom de sclérose latérale amyotrophique, est une maladie neurodégénérative qui affecte les neurones moteurs dans le cerveau et la moelle épinière. Voici quelques informations sur cette maladie. Parlons à présent des symptômes. La maladie se caractérise par une faiblesse musculaire progressive affectant les bras, les jambes et les muscles liés à la parole, à la déglutition et à la respiration. Les personnes atteintes peuvent éprouver des crampes musculaires, des spasmes et des contractions musculaires involontaires. Les difficultés à parler, à avaler et à respirer peuvent se manifester au fil du temps. La perte de poids et la fatigue sont également des symptômes courants. Dans certains cas, des changements cognitifs, bien que moins fréquents, peuvent être observés. Qu'en est-il alors des causes ? Les causes exactes de la maladie de Charcot ne sont pas complètement comprises, mais elles impliquent généralement une combinaison de facteurs génétiques et environnementaux. Retenir à présent du traitement. Il n'existe pas de traitement curatif pour la maladie de Charcot. Le traitement vise à soulager les symptômes, à ralentir la progression de la maladie et à améliorer la qualité de vie. Cela peut inclure l'utilisation de médicaments pour contrôler les symptômes, la thérapie physique et respiratoire, ainsi que des dispositifs d'aide comme des respirateurs. Il n'y a pas de recommandations spécifiques concernant les aliments à éviter pour les personnes atteintes de la maladie de Charcot. Cependant, il est généralement conseillé de suivre une alimentation saine et équilibrée pour maintenir une bonne santé générale. Des consultations avec un nutritionniste ou un médecin peuvent être utiles pour adapter l'alimentation aux besoins individuels et aux symptômes spécifiques. Merci à vous et à demain. Dans l'interview matinale, on se retrouve, chers amis internautes, tout juste après cette pause publicitaire. Toutes les activités payées au service commercial de Guérite TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00 229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des web TV. J'ai écouté notre frère aller affirmer sur une terre étrangère qu'il aurait des preuves qu'au Bénin, qu'on passerait des légionnaires français, mais noirs, pour des soldats béninois qui formeraient des djihadistes pour attaquer le Niger. Vous ne trouvez pas ça vraiment grave? À imaginer même qu'il ait une telle preuve, si j'étais à sa place, je rentrais dans mon pays et je confondais mes autorités avec les preuves que j'ai. En faisant ce qu'il a fait, il a fait montre d'apatridie et de trahison à la nation béninoise. Mais le Bénin ne le jugera pas, on ne lui fera pas ce plaisir-là. Je vous prie de lui transmettre mon message. Je l'invite à venir au Bénin avec vos caméras, avec l'armée béninoise, avec le peuple béninois. Nous irons pour qu'il nous aide à identifier ces camps-là afin de les démanteler. C'est tant qu'il y a un camp, le Bénin aussi est en danger, ce n'est pas seulement le Niger. Il y a des chants qu'on n'entonne pas dans la cour de son beau-père. Ce n'est pas l'étranger que Kémi Séba peut tenir de tels propos. Vous savez, c'est un jeune frère pour qui j'avais beaucoup d'admiration. Mais j'ai toujours eu peur pour lui. Parce qu'en réalité, il ne connaît pas la limite du pouvoir d'État. Il n'y a pas de petit pays. On ne peut pas manipuler par des puissances étrangères alors qu'on se dit panafricain, alors qu'on rejette une autre inféodation, se laisser inféoder à une autre puissance extérieure. Parlons-en.
Comment ça se fait que subitement, Nathalie Jam se retrouve au Niger, Kémi Séba se retrouve au Niger? Mais franchement, vivent-ils au Niger? Et ils reprennent mot pour mot les propos du Premier ministre du Niger. Le Premier ministre s'est trompé. Moi, Kouvi, je dis que le Premier ministre du Niger s'est trompé. Mais je ne dis pas qu'il ment. Parce que pour qu'il mente, il faudrait que l'information soit venue de lui-même. Or, il est assis dans son bureau climatisé, malgré la chaleur que subit le peuple nigérien. Et ce sont des renseignements, d'autres qui lui ont donné ces renseignements-là, qui sont fausses. Chers amis internautes, après votre rubrique santé et bien-être, je reçois pour vous sur ce plateau Fawzia Sifou, en présentiel bien sûr, dans votre rubrique coin cuisine de ce jour. Fawzia Sifou, bonjour. Bonjour Latifat Kouvenou. Alors, comme petit déjeuner ou déjeuner, vous nous proposez quoi? Alors, ce matin, je dis d'abord bonjour à nos amis internautes de Guerita TV Monde. Et ce matin, je vais vous apprendre à réaliser une soupe de l'haricot aux feuilles de gombo. On appelle ça corsa. Corsa. C'est, oui, c'est une soupe, c'est une soupe du Nord. Du Nord. D'accord. Que la préparation, comment ça se fait? Alors, d'abord, pour pouvoir réaliser votre corsa, Latifat Kouvenou, vous aurez besoin des feuilles de gombo sèches. D'accord. Vous aurez besoin de l'haricot. Ouais. Vous aurez aussi besoin de tomates, de condiments, tomates, piment, oignons. Vous aurez aussi besoin de, des épices et... J'ai déjà parlé des feuilles de gombo. Tout à fait. Voilà, de l'huile, un peu d'huile. Alors, par rapport à la, préparation, d'abord, vous mettez le haricot dans de l'eau. Vous trempez le haricot dans haricot de l'eau. Haricot blanc ou rouge? Haricot blanc. Non, haricot blanc. OK. Haricot blanc que vous trempez dans de l'eau au moins pendant 10 minutes. D'accord. Puis après, vous débarrassez le haricot de son, du son. D'accord. Voilà. Et maintenant, vous mettez le reste maintenant au feu pendant au moins 20 minutes. Cette préparation, après, vous descendez ça du feu et maintenant, vous mélangez les condiments. D'accord. Vous mélangez la tomate, le piment, l'oignon et tout. Vous ajoutez maintenant les épices. Puis après, vous mettez un peu d'huile, un tout petit peu. Et maintenant, vous mettez du poisson, de la viande, comme ce que vous voulez, c'est au choix. Maintenant, vous prenez votre feuille de gombo sèche que vous missez dans du mixeur. Ouais. Que vous obtenez, et cette fois-ci, vous obtenez une poudre. Vous ajoutez au mélange de condiments. D'accord. Et vous laissez mijoter sur le feu au moins pendant 5 à 10 minutes. Et vous ajoutez un peu du sel. Voilà. Et vous faites attention à la santé par rapport au sel. Mm-hmm. Maintenant, c'est ce mélange de condiments que vous ajoutez maintenant à l'haricot précuit quelques instants plus tôt. D'accord. Voilà, et vous me laissez au feu au moins pendant 20 à 25 minutes et vous descendez. Vous avez une sauce vraiment succulente. On a déjà mis le poisson, la viande, tout oui, et tout. Oui, tout et tout. Voilà. Et il faut dire que c'est une soupe dédiée aux femmes nourrices. OK. Parce que ça favorise la montée laiteuse. Oh, d'accord. Et ça se consomme simplement. Simplement, oui. Sans accompagnement. Sans accompagnement. Oh là là, vous m'en prenez des choses ce matin. Oui, oui. Et maintenant, après, vous pouvez prendre du jus. Mm-hmm. Voilà. Le jus conseillé, c'est le jus de baobab. Parce que le baobab aussi favorise la montée laiteuse. Puisque nous parlons des nourrices, quand tu prends ta soupe corsa, tu ajoutes du jus de baobab. Oh, tu as gâté ton bébé aussi. Voilà. Là, de toute façon, tout ce qui m'intéresse dans tout ça, hein, c'est le baobab. Parce que le jus corsa ou quel est son nom? La soupe corsa, vraiment, je ne m'y connais pas trop. C'est une découverte pour moi. Oui. Mais n'empêche, hein, merci. C'est très intéressant. C'est très essayez, vous allez voir que c'est très, très intéressant. Au moment opportun, nous allons essayer. Pourquoi pas? D'accord. Alors, merci à vous, Fawzia Sifou, pour cette recette que vous proposez, bien sûr, aux mères nourrices. Chers amis internautes, c'était juste l'avant-dernière rubrique de votre émission. La toute dernière, tout de suite. Et
voilà, nous y sommes bien et bien dans la dernière manche de cette émission, le meilleur réveil. Chers amis internautes, sachez que celui qui est né pour résister aux tempêtes ne s'incline pas devant n'importe quel petit vent. C'est sous cette citation que je vous remercie d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain à la même heure dans votre émission Meilleur Réveil. Au revoir.